Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle série Days Gone, un jeu PlayStation qui a été mis sur PC, et ça c'est bon. Là c'est écrit continuer, mais j'ai fait les tests son. Allez, on est reparti en normaux. En normalisation. Ça va le faire, Days Gone qui est un jeu de zombies, de survie, de moto. D'homme dur et fort et poilu. Oh là 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 là. Je voulais jouer à ce jeu là. Je voulais jouer. Voilà. Elle est brûlante. Merde, la lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Donne le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Ouais, je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas sur cette là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Il n'y a plus de place. Sans surcharge, puis après, bim, deux personnes. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bowser, on y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans le les gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. Oh là là. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ce sacrifice. Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Non. Bowser s'en sortira pas si je pars avec vous. Oh là 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 là. Moi qui est plus amoureux de son frère que non. D'elle. Enfin, le mec, c'est son frère à elle. Il est amoureux de son beau-frère. Il s'appelle Jake en plus. Oh là là, parfait. Elle s'appelle Vagina. Qu'est-ce que t'as fait? Pour ça que ça fait un beau coup. Days go! Oh yeah! American, fuck yeah! Il n'y a qu'en Amérique qu'ils ont envie de rester pendant une invasion de zombies. Attends, ils sont préparés. Hein. Clairement. C'est pas qu'ils en rêvent presque, mais bon. Freakos all day. Les bottes des peluches. Oh là là. La moto. Il nous a semé. Il doit pas être loin. Attends, attends. Coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a l'air bien. Hein? Qui a fait ça? C'était un
coup des Reapers. Oh, elle est posée. Léon. Resident Evil. Oh, il mélange tout maintenant. Il mélange tous les jeux. Enfoiré, Léon. Une balle? Non. Non, non, bah non. On y va en moto, c'est plus rigolo. Je vais voir si je peux jouer à la manette. Étant donné que c'est un jeu PlayStation, c'est censé être fait pour jouer à la manette. Non. Pas fait pour aller jouer à la manette. Bon. On accélère, c'est pas grave. Flammes. Je pense qu'on peut se le permettre. On la boue. On la boue. Ça, par contre, on garde la même vitesse tout le long. Hein. Putain, en descente, en montée. On... Putain, on saute avec la moto. Exactement. Ah, putain, c'est génial. On va pouvoir sauter avec la moto. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oui. Oh là. Ouais, il y a mieux quoi. J'ai fait prendre les murs. Coucou, je suis panier. Couvre-moi. Je te suis, mec. On va courir après le mec. On va le manger, on va le bouffer, on va le mordre. Je prends la cuisse, tu prends les bras. Il est parti par là. Allez. Ah ouais, faut direct sur les parties ce qu'on va manger, hein. Bien évidemment. Oui, ça marche. Où est-ce qu'il va? Y a rien ici, à part ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté, à ce sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça voilà. Finit par le rattraper. Allez, passe, 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 bouge. Hé, hey, hey, attends, doucement. Doucement. Ok, alors... Hmm. De la merde. Attends, attends, là. Il vient de se chier dessus. Les traces sont fraîches. Il s'est chié dessus. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? Pas courir. J'ai chassé l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. C'est dégueulasse. Tu peux pas courir. C'est dégueulasse. On pourrait courir. Le mec est en train de nous semer. Tout ça parce qu'on court comme des grands-mères. À couvert. Parfait. Ah oh merde. Merde. Allez. Alors ils ont entendu aussi, Léon n'a jamais de balle. Ça va, frangin? Ouais, ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain. Ça va, Boozer. Le mec s'appelle Deacon, mais tout le monde l'appelle Dick. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Putain, c'est pas là. C'est au-dessus, oui, bah oui. Est-ce qu'on peut courir? Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Oui, ça fait un mal de chien, mais ça, tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvé, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Ah, il est trop fort. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Oh là là. Parce que les promesses, ça marche toujours dans ce genre de monde. Je t'explique, t'as un petit souci.
Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Il va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez! D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Un bout de papier? Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Pourquoi faire? C'est pas une pharmacie. Vas-y. Mais c'est pas clame, c'est comme ça. Oh là là là. Une envie, hein. Une envie de le laisser dans la merde. Fais-le. Enfoiré de menteur! On s'en tirait presque de la pitié. C'est dégueulasse. Moi, je l'aurais laissé aux zombards. Ils nous ont pas laissé le choix. Mais j'ai fait non, tu ne choisis pas. Tu vas faire des choix de merde. Pour la prime. Tu vas faire des choix de merde. Tu ne choisis pas. Tu ne fais pas de choix. Bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un foiré comme Léon. Oh là 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 là. On peut courir ou il va falloir faire 200 mètres en piétinant comme une grand-mère. Il va falloir faire 100 piétineurs, hein. Tant pis. Hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait de quoi me rafistoler. Ouais. Ce serait pas con. Ce serait pas con. Je pourrais en faire quelque chose. C'est pas vrai. Il y a bien d'autres choses dans ce truc là, là ici. De l'eau. Pour ouvrir le menu survie. Médecine. Fabriquer. Utiliser. Pouh. Voilà. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Maintenant on peut courir. Enfin. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit. Il était temps. Quelques primes à ta cœur. Bah s'il pleut des cordes, frangin. Pouah. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. Oh là 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 là. Pire qu'un gosse, hein, ce mec. Je manque d'exercice. Alors, on peut courir. On peut courir. Je peux prendre des pièces. Oh là 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 là. Arrivé d'essence ou du tapis dessus. Mais pompe à carburant, Léon. Ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor. Oh, quelque chose sa moto. Dégueulasse. Non, écoute, on a qu'à retourner au Mont O'Leary. Même sa pompe. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Oh, quelle idée il a eue. Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? On va faire ça maintenant. Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Oh là 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 là. Deux mecs badass sur une même moto qui se tient la taille. Oh là 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 là. La file est quoi, Léon? C'est sexy, hein. Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Oh là 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 là. Regardez où, regardez-le. Bon, demain, ah, y a de l'orage. On récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Mais tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Ils vont pas à l'ouest, du coup? Parce que sa femme a Dick. Elle est à l'ouest. On va probablement le savoir plus tard. J'ai attends, envie de savoir. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Ouais, allez. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Allez, on va la pousser. Oui, ouais. Je veux bien, t'inquiète. Ouais. Vas-y, tu te mets à gauche ou je me mets à droite? Allez, 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 bouge ta mère, ta grand-mère, tes ancêtres et surtout tes petits frères. Oh, 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 oh,
Ils m'ont bien niqué. Ils m'ont bien niqué. Oh là 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 là. Que c'est beau. On leur a mis un coup. Ils se remettront jamais. Oh, tunnel. Au niveau de ça pue la merde. À votre avis, on a quel niveau? Au niveau de merde, on est Zombieland. Au plus bas. Mais au plus haut, on est à World War Z. Je pense que niveau merde, c'est du Daylight. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné. Il a plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ses foutus. Ouais, c'est bon, on a la lampe torche là. Ouais, on a la lampe torche. Regardez, quelle bande d'abrutis tout ce temps qu'ils sont. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi. Si c'est un monde ouvert, si c'est un monde ouvert et il y a plein de tunnels comme ça, pourquoi pas? Ah. Tu sens ça? Oh putain! Ouais, bon. Allez, viens, on se tire. Oh, à mon avis, ça sent les fraises Tagada. Et lui, il est diabétique. C'est ça, la vache. Je rêve. Mais il veut pas les airs, du coup, il fait croire qu'il aime pas cette odeur. On est en Amérique. Et tu l'as trouvé, on dirait. On est en Amérique. Ça se voit direct. Pouh. Pouh. Oh, le dé. Je crois qu'il est mort. Encore un coup pour être sûr. Tu vas me péter mon fusil. Encore un coup, allez. Allez! Okay. Encore un coup! Tu fais chier, Boomer. Okay. Il fait chier. Il casse les couilles. Tourner, hein. De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Voilà. T'es dans l'hélico avec Sarah. Tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort. Oh là 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 là. Oh, je lui ai pété un bras. Je lui ai pété un bras. Oh là 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 là. Tais-toi. Ça, c'est le truc pour se faire buter, ça. Oh là 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 là. Ok, bon. On va fouiller. On va fouiller. On passera pas par là. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ouais. Ça marche. Attends. Je prends. Ce qu'ils offrent là, c'est cadeau. Non, meurs. J'allais dire, des zombards où il faut, pour les buter, faut taper dans le cœur. Ça change les trucs. Hein. Bon, là, putain, heureusement qu'on a l'ultra instinct de d'assassin. Ça aide, on va pas se le cacher. Ça pue. Stop.
Top, c'est bon. La merde. Quoi ? J'ai pas fait exprès. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Vite, 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 mais... Vas-y ! Ah, il est con, lui. C'est bon, on a compris. Eh, merde. Bon, écoutez... Que la chasse soit ouverte. Voilà. Allez, venez mes petites canailles. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le truc nous a attaqué par surprise. Oh, là-bas, il y a quelque chose. Et on va pas se le cacher, on a besoin de ces choses. Donc clairement... Faire attention aux bagnoles. Je sens que... Je vais leur tenir assez facilement. Je prends le pont parce que par rapport au... Oh, est-ce que le son de ma voix s'entend dans le jeu? Oh, ça serait bien. Oh, ça serait énorme. Excuse-moi, j'ouvre les coffres. Faut rester appuyé. Ce serait énorme si on entend le son de ma... S'il y a le son de ma voix. Oh là là. S'ils prennent ça en compte, c'est un big plus, méga plus sur pur plus. Hein. Allez hop, allez vas-y. Ça roule. Ah. Je le sens. Ouais, fume-moi un cocktail. Ça se convient de Molotov. Oh. Tu viens d'utiliser le dernier. Oh, tu casses les couilles. Il te reste de quoi en faire. Ouais, ouais. Oh, parfait. Parfait, parfait. Ça. Ce sera pas long. Jetable. Cocktail Molotov. Ça fera l'affaire. Parfait. Oh, il a besoin d'amour. Allez, grimpe. Ouais, ouais, j'arrive. Calme-toi. Bon, on est mal barré. Si on doit survivre, on est dans la merde. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Oh là... Sans déconner, vraiment, on est sincèrement dans la merde si c'est comme ça. Bienvenue à la foire aux monstres. Ah oui, putain. Merde. Ça grouille de partout. Putain, il y a mes voisins. Mais qu'est-ce qu'ils font là sur le toit? C'est ça les bruits que j'entends en fait quand... Le soir en fait, j'entends mes voisins sur les toits. Ok. Au moins maintenant je le sais. Hein. Je sais où sont mes voisins à quand je dors. Oh là 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 là. Fais chier, on a pas assez de munitions. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Oh, les idées de merde. Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le coffre! Bah... Allez, c'est ça! Je suis là, sac à merde! Venez voir papa!
Ebony Barbuda. Oh là, la gueule de ces gosses. Ok, bon. Ok, donc ça prend en compte le son de ma voix. C'est immonde. Saleté de tétard. Allez. Ah non, c'est le son de mes pas. Oh, d'accord, ok. Quand j'ai peur, c'est pour les toits. Que du coup, nous ne sommes pas en sécurité, mais nulle part. Où devons-nous aller ? Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Les tétards sont craintifs et ils se cachent dans les endroits difficiles à atteindre comme les toits. S'ils sentent que vous êtes affaiblis ou ils sentent menacés sur le territoire, ils attaqueront. Ouais, c'est ça. Restez là-bas et on va bien s'entendre. Je ne leur fais pas confiance. Je ne leur fais pas confiance. Mais pas du tout. Les gens, je les écoute derrière moi. Hein. Et ça a l'air d'être des belles petites merdes. Mais putain, en même temps, ça sert plus à rien. Ah, je suis tombé. La pompe de cette distance-là, à votre avis, je sers à quoi là ? Parfait. Oh, c'est parfait. Oh, j'aime ce jeu. Oh là 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 là. On va pouvoir défoncer des gosses. Les gosses dans les trucs d'horreur, c'est immonde. Sachez-le, moi, je déteste ça. Une petite balle dans la tête. Qui fait pleurer. Lui, il s'est endormi sec. Quand on ne peut pas les fouiller, donc ils ont vraiment rien sur eux, quoi. Là, il faut un cocktail Molotov, j'imagine. Et là aussi, d'accord. Est-ce que j'ai quelque chose de jetable ? On construit. On construit. Il y en a besoin de deux, donc... Et de un. Et de deux. On prend le pompe. Donc là, le mec sera pas là pour m'aider. Le mec sera pas là pour m'aider, donc faut pas que je foire. Mais je crois que ça s'est bien passé. Pouh ! Dans votre bouche, dans votre bouche, dans votre... Du coup, je peux pas aller là-bas. Il a pas l'air très très dangereux. Est-ce que c'est vraiment les bruits forts qui... Oh. Là, c'est beau, là. Et en vrai, je ne suis pas serein. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce jeu ?
va y avoir des zombards dedans. On peut fermer la porte? Oui, on peut. Non. On ne peut pas la fermer. Bon. Bah. On est dans la merde si on peut même pas se. Après, étant donné qu'ils peuvent monter sur les toits, je suis pas sûr que la porte les retienne, mais. Moi, psychologiquement, ça m'aurait aidé. D'accord. Parfait. Pas de soucis. C'est... Ce jeu est horrible. Dégage, 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 dégage. Pouh. Est-ce que tu vas continuer à m'emmerder? Maintenant. Ah oui. Oui, oui, oui. Il me faut. Oh putain, il y a des plantes aussi dans ce jeu. Je pense que pour l'instant, il faut fabriquer du soin. Parce que j'en aurai besoin. Pas parce que je suis nul, mais parce que je manque de professionnalisme. Je garde le pompe avec moi par contre. Hein. Ça me paraît assez inévitable de garder des. Oh lol. Ça c'est cadeau. Alors là, c'est cadeau. On va pouvoir mettre des coups de batte de baseball. Et ça, j'adore. Allez, on va lui mettre un coup de batte de baseball. Ah, il est au-dessus, il est sur le toit. Papa, papa. Ouais. Ça l'épuise, mais énormément. Je suis pas sûr que ça soit très très rentable, ce genre de choses. Bon. Il faut que j'aille là-bas en fait, depuis le début. Les buissons vous permettent de vous cacher si vous n'avez pas été resté accroupi. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Nick, comment ça avance, frangin ? C'est... T'es discret avec la radio là. Je trouve comment accélérer au garage. Il y aura sûrement une pompe à carburant. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... ça déjà, les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais, ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Morceau de bois, c'est pas ce qui est du plus utile, quoi. Bidon d'essence. Ouais, est-ce que c'est vrai? Pour le moment, je sais pas à quoi ça peut me servir. Je vais être sincère, je sais pas à quoi ça peut me servir. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Oh, ça... Parfait. On prend le pompe. C'est bien ce que je pense. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Ok, au suivant. J'ai bientôt plus de balles, faut que je fasse attention. Je vous attends. Bon, mais il a pas l'air décidé. Et voilà.
pas vrai. Par contre, je n'ai bientôt plus de balles. Et ça, ça c'est un peu plus inquiétant. Ça, j'ai besoin de balles. J'ai besoin de balles, c'est obligé. Avec mon shoot de merde, je crois qu'il va falloir que je fasse très attention aux munitions. Et ça, ça va être un peu compliqué pour ma part. Mais ce n'est pas grave, c'est pas bien grave. On va y arriver. On pique pas l'argent, ça ne sert à rien. Garage. Ah d'accord, donc il faut vraiment que je trouve un moyen de passer à l'intérieur. Ok d'accord. Là, ici. Paf. Sprinter, faire des roulettes sur les actions, oui, vas-y. Faut ouvrir toutes les portes, mais pas celle-là. Celle-là, elle est bloquée par le scénario. Non, c'est juste le truc qui brille. On va retourner à l'intérieur. C'est que c'est à l'intérieur qu'il faut bosser. On y va. Parfait. Ah bah là, ici. Ah. Cherche homme formidable. Mon cœur est déjà pris. Désolé. Des balles. Et ça, on aime énormément. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. J'en ai eu tout à l'heure. Des serviettes. Oh, directement une bécane. Oh là là, ça c'est cadeau ça. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Oh, parfait. Hein. La chance. Hop. C'est pas grave. Boozer. Boozman. C'est pas vrai. Donc, est-ce que ça fait péter le nom? Ok. Bon, au moins, on le sait. Ouais, parce que là, je voulais clairement le... Je voulais clairement que ça sonne, que ça pète et tout, mais ça a pas voulu. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort, les symboles des égarés. Fallait les éliminer. Tu dois être déchu, Motard. Car tu es égaré, et nous avons été trompés. On va te montrer. Ah mais... Il est déjà bien brûlé, il fait quoi dans le pépère? Renonce. 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 Oh là 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 là. Une balle dans la tête, une balle dans la tête, une balle dans la tête. Couverture, mettez-vous à couvert en appuyant sur la touche contrôle pour vous baisser. Épaule de visée. Tout en visant, appuyez sur pour changer d'épaule. Oh. Hey, c'est pas ici. Bande d'enfoirés, lâchez-le. Ça suffit. Ouais, ça va être très compliqué d'économiser les balles. Regardez, faut que j'utilise un fusil à pompe sur ta gueule ou quoi, connasse là? Ouais, c'est Boozer, pas Boomer. Hein. Oh putain. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte. Ah ouais, t'es con toi. Par contre, pour t'accrocher, ça va être drôle. Hein. Pour le peu qu'il tombe pas dans les pommes, il n'y a pas des kilomètres. Hein. Allez, on roule.
Oh là 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 là. Oh, ça va être immonde. Ce jeu va être immonde. Oh, ce jeu va être immonde. J'en ai marre de jouer à ce genre de jeu, moi. J'ai cru qu'on y arriverait jamais. Oh là 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 là. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Oh, c'est un truc de bandit ici. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Mais même pour dormir comme ça, là t'es censé avoir mal. Pour ton bras, ça va aller. Ouais. Oh là là. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou. Attends, c'est pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hey, c'est pas con. J'ai des munitions si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hey. Il me faut la blinde. Mon fusil à pompe. Ah, le fils de pute. Hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui. Ah, il est génial, Boozer. Ça, ça rend. On a Dick et Boo. On a Dick et Boo. Qu'est-ce que c'est que ça, principal? Oh, des armes. On peut stocker des armes. Arbalète de drifter. Ouh, ouh, ouf, 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 ouf. Une version améliorée de la balette standard. Pratique pour agir avec discrétion. Oh bah oui. Oh bah oui. Oh mais le jeu qui nous gâte. Oh mais le jeu, je t'aime. Oh là 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 là. Le jeu nous a remercié de jouer à son jeu. Il nous a remercié de jouer avec lui. Bon. Est-ce qu'on peut voir la map? Ok. Je n'ai aucune idée si le jeu va être plus grand ou pas. Écoutez. On va prendre la moto et on va arrêter l'épisode là. Voilà. On va aller la chercher cette moto. Ah, il faut y aller à pied, putain. Voilà. Ça va, t'as un problème là ou. Ouais. Bon sang, Boozer. Ok. L'état de ton bras va s'aggraver. Normalement, il n'y a rien à prendre dans la logique. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Mais c'est pas logique. Bon, on prend des choses. La batte de baseball en bois. La mienne, elle fait encore bien le taf. Allez. On aime bien le. Qui montre le bruit des pas qu'on fait en fait. Donc, si on fait ça. On nous entend mais faible. Et là, par contre. On peut pas monter dessus, on peut pas monter sur la grange. Ah, je ne peux pas prendre la moto. Prendre la moto, Boozer. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Bordel de merde. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureté près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, ça, hein, je suis pas rassuré, sur le coup... Écoute, je vais suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Oh là 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 là. Oh là, sincèrement, ça pue la merde. Ça pue. Par contre, il suit énormément de passages. Hein, ce mec, bon. Il y a des zombards qui veulent le bouffer, mais lui. Non, monsieur, il y a des passages, faut les suivre. Nous ne sommes pas des voyous. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Marquage furtif. Activez les jumelles avec B et appuyez pour marquer un ennemi. Vous pouvez ainsi suivre ses déplacements. Le niveau d'alerte des ennemis humains est marqué et indiqué. Les carreaux d'arbalète sont soumis à la gravité et se dirigent vers leur cible en cours pour atteindre une cible lointaine visée légèrement au-dessus d'elle. Alors qu'est-ce que t'as trouvé?
loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes. Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et on s'installe pépère. Oh là là. Tu sais qu'ils sont armés. L'un des deux a l'air salement amoché. Je dis qu'on peut se les faire. Ouais, allez vous faire foutre. Faites-moi plaisir. Oh là là là. Ces mecs qui veulent nous buter, pourquoi faire ? Ça dit un peu au-dessus d'elle. Ils sont combien ? Ah ok. Dans le cul. Dans le cul. Et ça, ça fait plaisir. On ne sait pas à quoi ça sert, mais j'imagine que c'est pour les crafts. Oui. Oh, et puis, quand on peut les fouiller. Et ça, par contre, c'est cadeau de leur part. Sincèrement, c'est très sympa. Putain, il est où ? Probablement dans ton cul. Hey, merde ! C'était le dernier. Oh, oh là là, regardez ! Ils ont reçu jusqu'ici. Enfoiré. Changement d'arme rapide, appuyez sur un pour sélectionner votre arme à feu principale, votre arme à feu secondaire, votre arme à feu spéciale. Pas du monde, donc. Boozer, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. Est-ce que je peux prendre la bagnole ou pas ? On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. On prend ça. Ça veut pas. Très bien, nous y allons. On va courir. Oh, ça leur fait une mutant. Hey, merde, bouge, bouge. Cours, cours. On court, on court, on court, on court. On court. On court. On court. Toujours qu'il pleuve. Où est-ce que je suis ? Je vais plus être loin. Oh là 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 là, c'est horrible. Mais c'est horrible. Exactement, voilà. Oh putain. Ah là, 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 le jeu il a bugué. Bon. J'y plante. Bon, bah c'est pas grave. Je lui en veux pas trop. Ça peut servir. Ouais, par contre, je me demande pourquoi ça n'a pas voulu tirer. Ça, par contre, c'est une vraie question. Il y a des trucs là-bas. Je n'ai plus de carreaux. On va voir si on peut fouiller au-dessus. Parce qu'au-dessus, il y a probablement des flèches. Ça m'étonnerait. Vu que c'est des clampins, hein, mais... Il va falloir un temps d'adaptation pour
pour survivre, clairement. Espérons qu'il m'ait pas vu. Je passe entre eux. Putain, mon cul plus que la pluie. Quand c'est pas les mutants, faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve. Bah, moi ça me va. Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose, je crois pas du moins. Dis-moi qu'il m'a pas vu, dis-moi qu'il m'a pas vu. Est-ce qu'ils sont aveugles ou pas? Est-ce que ça changerait... Je trouve ma moto. Je dois plus être loin. Ça changerait pas mal de choses. S'ils sont aveugles, ça changerait pas mal de choses. Ils m'ont vu. Très bien. Je me rapproche. Très bien, très bien, très bien. Où t'es passé? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissé. Ok. Allez. Merci. On m'a pris ma bécane. Bah, décidément. L'histoire du jeu, retrouver sa bécane. Putain! Je sais comprendre. Hey, tu viens du camp de Copland? Oh, où est passée ma moto? Hey, arrête-toi, putain de merde! Oh, le fils de pute! J'ai pas piqué ta moto, mec! J'te jure! Je vais pas te buter! Arrête-toi, bordel! Bah, j'imagine que... dans un monde comme ça, tout le monde a peur de tout le monde. Hein. Je veux juste ma bécane! J'ai rien fait, moi! Ok, là, je vais te buter. Ouais, clairement, mec... Loser, t'es là? T'es un peu con, quoi. Je me dirige vers son camp. Terminé. Oh là 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 là, on va s'occuper d'un camp. Oh mais sans déconner mec. T'abuses quoi. En plus il y a des zombards et tout. On coursait après, je le sens. N'empêche comment il court lui. Puis vraiment pas endurant Dick. Hein. Oh là là. Va la flèche. Auprès. C'est moi, Reynolds. John, c'est quoi? Un fils de pute a piqué ma moto. Je suis pas au courant. Tu devrais parler à Manny. Ouais. Oh là, il me laisse rentrer dans leur camp. Oh là 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 là. Il me laisse rentrer dans leur camp. J'imagine que tout le monde me surveille. Non, le mec il me vise pas avec non, bah. Ta gueule. Salut Manny. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur quoi. Tu l'as dit. Ça va, on a des alliés. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Manny, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure. Elle c'est a dû avoir de belles. Là... on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Manny. Ok. Oh là 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 là. Quand j'ai dit à Brutti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou. Tu vois, il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle.
Oh là 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 là. Du grabuge, on dirait. J'ai essuyé une grosse attaque hier soir. Encore des Reapers. C'est la deuxième fois. Oh, il y a des dialogues optionnels qu'on peut passer. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. Cuisine. Prime. Oh là. Les gens s'entraident ici. Mais quand on manque de vivre. Ça donne. Vous êtes en pénurie, on pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Oh là 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 là. Oh là là, on peut pas. C'est... Gamins, le jeu a l'air bien, sincèrement. Oh là là là. Construisez une cachette. Oh, j'ai envie de passer 3 heures dessus. Oh oui. Sous la viande séchée. Pas pour aujourd'hui, hein. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. La sienne. Constitution des États-Unis. Ah, bah elle est morte, hein. Enfin, bon. Bon. Aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Ah ouais, vous êtes libre. Hein. Tu l'as dit. Ouais, je passe devant lui. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après toi, qu'il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute. Il le sait. Tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors... Je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Ah ah. Il pétait la gueule. Sympa ta casquette. Quoi? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp? Commence par me rendre service. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je préfère ça. Oh, les Rifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Oh là là, le mec, une balle dans la tête. Oh là, le mec, il mérite une balle dans la tête, ce fils de pute. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous sur Twitch, les liens sont dans la description, sur YouTube aussi pour ceux qui sont sur Twitch. Et sur ce, je vous fais le gros bisou bisou de la dégueulasserie. Voilà. Pas cet homme. Qui est beau.